Wadia, Maïté Saganache de Singasum. Je m'appelle Maïté Saganache et je suis de la petite communauté de Waswanipi en Iyushchi. Comme Linda l'a dit, je suis chroniqueuse au journal Métro, aussi chroniqueuse au Nation Magazine. Et je travaille aussi au Cree Health Board, donc c'est ma façon un peu à moi d'être impliquée sur mon territoire et dans ma communauté. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes plus grandes passions, c'est-à-dire les mimes. Alors, pourquoi les mimes? Comme vous avez remarqué, dans les dernières années, il y a une forte explosion des mimes sur les réseaux sociaux. C'est devenu une forme très commune d'humour sur Facebook, sur Instagram, partout en fait. Je vais vous walk through. En passant aussi, je suis très forte sur le franglais parce que bon, je parle trois langues sur une base quotidienne à la maison, à Waswanipi. Donc, vous comprendrez que des fois, ça devient un petit peu mêlant. Hein. Donc, voilà. Les mimes aussi, bon, on dit souvent, il y a des gens qui disent que c'est une science, la mimétique, que c'est une science un peu frivole, là, un peu futile ou que c'est même pas une science. Ces gens-là, on n'est pas obligé de les écouter pour le but de l'exercice aujourd'hui, parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de négativité. Je vais vous expliquer aussi pourquoi les mimes chez les Autochtones dans les dernières années ont joué un grand rôle dans notre processus d'émancipation, dans notre processus de décolonisation aussi. Puis bon, même pourquoi les mimes, en ce moment, il y a un gros marché, il y a une monétarisation aussi des mimes, tu sais, comme... par exemple, Québécois possède des pages de mimes. Donc, se partir une page de mimes ironique en 2017, c'est une page de Québécois. Parce que, bon, les mimes sont une bonne manière de tester. C'est un laboratoire, en fait, quasiment de recherche. Bon, on peut tester plein de choses à travers les mimes. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, c'est aussi pourquoi Québécois et d'autres compagnies possèdent des pages de mimes. Je pense que Drake aussi fait ça. C'est une de ses stratégies marketing. Là, il se fait en meme template, puis bon, ça lui fait de la promotion. On peut passer à la deuxième? Sure. How do I do this? Bon. Alors, un meme, c'est quoi? Je pense que tout le monde ici sait ce que c'est un meme. On me dit non là-bas. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une slide là-dessus. Je ne vous ai pas oublié, donc je prends tout le monde en considération. La définition un meme sur Wikipédia. Donc, un meme Internet est une idée ou un concept simple propagé à travers le web. Cette idée peut prendre la forme d'un hyperlien, d'un vidéo, d'un site Internet, d'une image, d'un hashtag, d'un personnage récurrent, d'un GIF ou simplement d'une phrase ou d'un mot. Il peut être propagé par plusieurs personnes par le biais de réseaux sociaux, par exemple via l'énergie sur Facebook, les hashtags sur Twitter, de blogs, de messageries instantanées, d'actualités ou de services Internet. Bon, il peut parfois changer avec le temps par hasard au fait d'un commentaire d'imitation ou d'une parodie. D'où ce que ça vient le mot mime, là? Donc, c'est Richard Dawkins que lui, bon, c'est un biologiste, puis il a créé le mot mime en 1976. Donc, là où vos gènes expriment votre code génétique, les mimes codent votre identité culturelle. Et comme les gènes, ils sont capables de muter. Donc, c'est ce qu'il a dit. Bon, là, vous me regardez, ça ne me dit pas plus grand-chose. Je vais vous expliquer encore plus. Alors, selon mes recherches très sérieuses, le premier mime Internet serait Baby Cha-Cha. Vous voyez ici. Bon, ça, en fait, c'est une drôle d'anecdote parce que Baby Cha-Cha, en fait, c'est quelque chose de vraiment très sérieux. C'est des gens en 96 qui développaient des softwares, en fait, d'animation 3D, de design graphique, créés à partir de Character Studio et 3D Studio Max. Puis, c'était vraiment le système bipède. Mais là, au début, le bébé, en fait, parce que ça, c'était juste un sample, ils voulaient juste démontrer comment leur programme fonctionnait. Mais là, le bébé, à la base, il faisait juste marcher. Mais eux autres, dans leur équipe, ils se sont dit, ça serait drôle si le bébé, il dansait. Fait qu'ils ont fait le bébé danser, puis bon, ça a leaké un peu. Puis ça, c'est, bon, à l'époque, ça se partageait sur les forums, par email aussi. Donc, c'est comme ça, bon, Baby Cha-Cha serait le premier meme Internet. Puis bon, en 2009, il y a un site web qui s'appelle Meme Generator qui a été créé. Puis là, on a vu vraiment les memes sous le format qu'on appelle top text, bottom text qui sont arrivés. Donc, vous avez un exemple ici avec Keanu Reeves. Puis ça l'a créé. Moi, je m'en souviens, je suis en secondaire 5, 2011, 2012.
On était beaucoup sur 9gag dans nos cours d'ordinateur. Là. Au lieu de faire notre travail, nous autres, on était sur 9gag puis on regardait les mimes. Donc, puis je me souviens, c'est vraiment ce format-là à l'époque. Puis il y avait d'autres templates comme Bad Luck Brian, Good Guy Greg. Alors, je vois des gens rire, ils sont comme, oh, nostalgie de mimes. Puis bon, la mémétique autochtone, comment ça l'a pris en fait son envol, comment ça l'a parti en fait, ben comme je vous disais, vraiment le format en 2015, c'est vraiment encore là top text, bottom text. Je vois ma boss en arrière rire, c'est excellent. Puis bon, là on voit, I'm gonna let you finish, but my Goku makes the best bannock of all time. Donc là, c'est vraiment que nous, on a commencé à prendre les templates qui sont populaires, qui étaient vraiment en vogue, mais on a ajouté notre sauce autochtone avec ça. Fait que là, on a commencé, puis là, c'est des pages sur Facebook comme Buka Memes, Native Humor, qui ont commencé à faire des memes. Puis cette image-là qu'on connaît, que toutes les autochtones connaissent ici, Sgoden. Donc, c'est ce monsieur-là, en fait, a un nom. Son nom, c'est Pernell Badharm. Puis, il est décédé en 2015 dans un refuge pour personnes sans-abri à Lethbridge, en Alberta. Puis, cette personne-là est devenue un peu la face stéréotypée des Autochtones. Donc, on le voit avec un peu en position de boxe, avec ses poings levés, en disant « Sgoden ». Sgoden, c'est quoi? Parce que souvent, j'ai des amis non-autochtones qui m'écrivent, ils sont comme « Hey, je regarde vos mimes, là. Ça veut dire quoi, Sgoden? » Puis là, tu sais, je m'en rire un peu, mais en fait, c'est une contraction de « let's go then ».« Let's go then », c'est comme pour aller se battre. Puis là, souvent à ça, il y a en réponse « do this ».« Do this », c'est une contraction de « let's do this ». Fait que ça, c'est connu à travers Indian Country, tout le monde connaît « Sgoden ». Puis cette image-là, elle a été utilisée vraiment beaucoup pendant plusieurs années. Puis là, il y a eu un incident. L'an passé, en juillet 2018. Alors, tout le monde s'est réveillé à Sudbury un matin et sur la grande tour d'eau, il y avait un gros graffiti écrit « Sgoden ». Et là, s'en est suivi une grosse chasse à l'homme parce que là, il y a quelqu'un qui commençait à faire des graffitis « Sgoden » partout sur l'autoroute. Il paraît qu'il y en avait 50, donc juste l'an passé, donc sûrement qu'il y en a plus maintenant. Là, il y a quelqu'un qui faisait des graffitis « Sgoden » partout. Puis là, tout le monde, les non-autochtones, c'est quoi « Sgoden » Puis là, la police cherchait c'était qui faisait ça. Puis là, vraiment, sur la tour d'eau, ça a été un gros statement. Je vous dirais que ça a été le war cry de Indian Country, surtout à une époque où, Justin Trudeau pleure à la TV, fausse réconciliation trademark. Ça a été notre cri de ralliement pour dire « Sgoden Trudeau ». Donc, ça l'a vraiment, puis ça, mais... Avec la tour de Sudbury, ce qui est important, c'est que ça a fait un vraiment gros tournant dans les mimes autochtones. Parce qu'il y a des gens qui ont dit « Hey, l'image que vous utilisez pour Sgoden avant, ce monsieur-là, il y a un nom. » Puis c'est comme si le monsieur que je parlais tantôt, Pernell Badharm, qui est malheureusement décédé. Puis cet homme-là, il vient de Blood Tribe en Alberta. Puis il parlait sa langue couramment, il est Blackfoot. Mais ce monsieur-là, il était sans-abri, mais il était très généreux. Puis sa famille disait, cet homme-là donnait tout son petit change pour aider les autres, le peu de change qu'il avait. Fait que ça l'a fait une conversation nationale entre autochtones en disant, hey, on peut laisser ce stéréotype-là derrière, redonner la dignité à cet homme-là qu'il mérite, parce que même si tu consommes de la drogue, même si tu bois. Même si tu es le stéréotype autochtone, tu as quand même le droit à une dignité. Puis cette conversation nationale et ce graffiti-là sur la tour de Sudbury a redonné, dans un sens, la dignité à Pernell Badharm. Alors, le mime autochtone, c'est un mime très engagé. Comme je vous disais, à travers les mimes autochtones, c'est une conversation constante sur la politique, sur le patriarcat même, parce qu'il y a beaucoup de femmes autochtones influentes dans le domaine de la mimétique en ce moment. Puis bon, là, je vous ai mis des petits exemples. « When your status card expires », ça, c'est vraiment pour dénoncer le fait que, comme aux yeux du gouvernement, si ta carte de statut indien est expirée, ils sont comme « Non, désolé, il faut que tu la fasses faire ». C'est comme si tu disparais. C'est comme « Elle, j'expire pas ».
Puis c'est une façon facile aussi de rejoindre les jeunes, puis d'avoir une discussion politique sans être vraiment drabe. C'est bien parce qu'il y a une conversation aussi à travers les mimes sur les cérémonies, sur la décolonisation. Donc, la plupart des mimes autochtones en ce moment, c'est des mimes très engagés. Alors, je vous ai fait des mimes. Comme je disais, les mimes, ça ne coûte rien à produire. Hein? On peut les créer. On n'a pas besoin d'être un génie informatique là, pour faire des mimes. Tu peux les faire directement à partir de Instagram Stories, sur Messenger. Puis ce qui est bien avec les mimes, c'est que ça n'a pas besoin d'être parfait non plus. C'est le message, s'il est bon, il est bon. Donc, c'est ça. Puis il y a des applications comme Mimatic aussi qui sont gratuites. Donc, c'est ça. C'est un peu l'humour du peuple parce que ça ne coûte rien à produire. Puis après, un mime, ça peut se partager tellement rapidement sur Instagram. Ça prend juste un clic, puis ça peut devenir viral. Donc, je vous ai fait des petits mimes. Ça, c'est mon ami Kieran, by the way. C'est un de mes amis. C'est un cri du traité numéro 8. C'est aussi un créateur de contenu. Il a sa propre page de mimes. Puis, mais les mimes aussi, entre autochtones, c'est fun parce qu'on rit de d'autres nations. Bon, on fait souvent des jokes sur les Blackfoot, OK? Parce que, bon, les cris ont envahi le territoire des Blackfoot. Il y a de cela plusieurs lunes, puis ils n'en sont jamais revenus. Fait que là, il y a une guerre de mimes entre nous autres sur les internets. Mais c'est une manière légère de se lancer des petites pointes, je pourrais dire. Donc, c'est ça. Puis, I don't eat bear, I don't eat my clan, visibly confused in Cree. Ouais, puis il y a souvent des notes autochtones qui me disent « Hey, Maïté, tu peux-tu aller me chercher des cigarettes pas chères dans ta réserve? » Puis je suis comme « Ouais, non, on fait pas ça chez nous. » C'est pour ça que j'ai fait un mime là-dessus, parce que vous seriez surpris, mais ça revient très souvent. Oui, non, malheureusement. Les mimes aussi nous permettent de critiquer notre leadership. Souvent, puis moi, en tant que chroniqueuse, il y a des choses sur lesquelles, dans le métro, que je ne peux pas vraiment parler, parce que j'ai toujours peur de renforcer le stéréotype. Je ne peux pas parler du leadership. Là, je vois Tania rire, ça me fait très rire. Je ne peux pas parler de mon leadership dans ma réserve, parler contre mon chef, parce que là, il y a des non-autochtones qui vont dire « Ah, oh, mais regardez, même elle, elle dit, les chefs sont tous corrompus. Tu » sais. Ce genre de choses. Fait qu'il y a des conversations qu'on ne peut même pas se permettre, parce qu'il y a tellement encore de misconceptions envers nous. Il y a des conversations qu'on ne peut simplement pas avoir dans la presse, d'avoir un débat public là-dessus. Donc, les mimes sont une bonne façon de le faire. C'est ça, comme je disais plus tôt, c'est une conversation, c'est une façon efficace. Puis on a des inside jokes, puis les gens qui ne sont pas autochtones, qui regardent nos pages de mimes, ils ne comprennent pas nécessairement, puis c'est correct, parce que nos mimes, vous n'avez pas à les comprendre non plus. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'Autochtones qui font des mimes pour nous, en fait. Fait que là, bon, on voit Robert Falcon Ouellet ici. Puis, bon, on sait tous que Perry Bellegarde est très ami avec Justin Trudeau. Mais bon, comme je disais, c'est des conversations qu'on ne peut pas nécessairement se permettre d'avoir avec tout le monde. Donc, on le fait à travers les mimes. C'est sain. C'est sain pouvoir, parce que c'est un droit qu'on nous enlève souvent, critiquer notre propre leadership pour ne pas renforcer les stéréotypes. Mais au moins, ça nous a donné une certaine tribune pour le faire. La montée de la mimétique autochtone en réponse à la montée de la droite, bon, vous savez, sûrement, il y a une tendance mondiale en ce moment, la montée de l'extrême droite, la montée de la droite, la droite qui fait son entrée dans beaucoup de parlements partout dans le monde. Puis ça, on voit en ce moment toutes les discussions autour de la forêt Amazon au Brésil aussi. Notre existence en tant qu'Autochtone est attaquée depuis... Ouais, ça fait longtemps, je veux dire, le colonialisme, c'est pas d'aujourd'hui. Mais, en fait, ça nous permet de dénombrer des néo-nazis sous le couvert de l'anonymat, en fait. Parce que, bon, si... Bon, surtout nous, en tant qu'Autochtones, la police ou le gouvernement nous voit directement... voit nos corps directement en tant qu'hostiles. Fait qu'il y a certaines choses qu'on peut pas se permettre de dire en public ou même si les gens sont racistes envers nous. Même sur Internet, sur Facebook, je veux dire, toutes les slurs comme squaw, cowish, ils passent sous le radar, en fait, de Facebook, puis les gens ne se font même pas bannir pour
l'utilisation de ces mots-là. Tandis que mon ami qui a fait une joke sur les Blancs en disant qu'ils ne pissaient pas leur poulet, s'est fait bannir pendant 24 heures, je pense, de Facebook. Tu sais, déjà, tu peux dire blanc, puis ça va te mener vers un ban de Facebook temporaire. Mais nous, nos slurs, par exemple, ils ne sont pas bannis. Puis il y a des gens, il y a des Autochtones, je pense, ça fait un an et demi, deux ans, qui se sont assis avec Facebook, puis ont dit « Hey, c'est quoi vous faites? » Ils sont comme « Ouais, mais nous autres, on ne savait pas que ça existait, ces choses-là. » Mais tu sais, bon, on se fait servir toujours le même discours. Puis aussi, bon, sur Reddit, on sait que sur des forums, il y a vraiment beaucoup de radicalisation. Surtout sur Reddit, là, ça commence à être un peu plus sanctionné, mais il y avait une époque où ça ne l'était pas du tout. Puis il y avait beaucoup de groupes d'incels, des choses comme ça, qui s'organisaient vraiment sur Reddit puis qui partageaient de la haine. Mais maintenant, il y a une communauté Reddit qui s'appelle Indian Country. Puis, ça fait trois jours, je pense, qu'ils ont passé le cap des 20 000 abonnés. Donc, au moins, on a cette présence-là de plus en plus sur Internet pour un peu contrebalancer aussi. Puis, avec nos mimes, ben c'est ça, on n'a pas peur de se faire attaquer physiquement parce qu'on peut juste créer le mime sous le couvert de l'anonymat, le faire spinner sur Internet et le travail est fait. Les mimes et la culture pop autochtone, bon, nous, les Autochtones, on a notre propre culture populaire, des choses comme Tipi Tales, comme North of 60, des choses comme ça qui nous est familière, nous, les Autochtones. Puis, ce qui est bien, c'est que, bon, avant, on utilisait souvent les templates qui étaient à la mode dans nos mimes, mais maintenant, de plus en plus, on utilise nos propres templates, on crée nos propres choses. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est fait par nous et pour nous complètement. Parce que oui, il y a des mimes généraux auxquels on peut s'identifier sur Internet, mais c'est toujours réconfortant d'avoir une représentation sur Internet qui nous ressemble et qui nous parle culturellement aussi. Donc, nos templates, c'est qui ont évolué avec le temps aussi, donc c'est une bonne manière, c'est réconfortant aussi à voir sur les réseaux sociaux, parce que bon, quand je suis sur mon feed de réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on parle à moi. Puis c'est réconfortant pour beaucoup de jeunes dans les communautés aussi. Puis le rôle des créateurs de contenu, mais je veux dire, juste le mot « Indian » aussi, avec les mimes, on a réussi à se réapproprier ce slur-là quand même. « Indian », maintenant, on l'écrit « NDN ». Donc, tu sais, ça a été vraiment, bon, les créateurs de contenu de mimes autochtones deviennent eux-mêmes importants dans l'évolution de notre culture populaire aussi. Donc, En conclusion, bon, je vous ai mis quelques mimes ici, mais les mimes d'Indian Country nous permettent encore de bond, puis de se rassembler autour de d'autres choses que des traumatismes. Souvent, quand il va y avoir un ralliement d'Autochtones au pays ou dans les Amériques, c'est pour des choses comme le pipeline DAPL. Aux États-Unis, ça va être des choses comme Trans Mountain, ça va être des choses comme le rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, c'est des choses lourdes, mais au moins les mimes, ça nous permet de rire un peu. Puis ça, des fois, tu sais, j'appelle ça « the right to joy » là, avec mon père. « The right to joy », moi j'aimerais ça avoir ce droit-là, ce privilège-là, de pouvoir passer une seule journée dans ma vie sans penser au colonialisme, à la violence envers les femmes autochtones, envers les pensionnats autochtones, toutes ces choses-là, puis la situation socio-économique dans nos communautés. Puis « the right to joy », puis je pense que des fois, il y a des mimes, nos mimes ne sont pas toujours en réponse au colonialisme, nos mimes ne sont pas toujours politiquement engagées. Des fois, c'est juste, on parle de nos légendes, on parle de nos histoires, on parle de des chefs qui ont été influents dans le passé. Puis ça, c'est tellement important. Puis tu sais, les gens souvent me disent « Ouais, mais Maïté, c'est juste des mimes. » Mais je connais beaucoup de créateurs de mimes autochtones qui ont commencé à faire ça parce qu'ils étaient en dépression. Parce que le quotidien autochtone n'est vraiment pas facile. Puis c'est une manière de juste se sortir de ça, puis d'un peu de compartimenter notre colère, de compartimenter nos traumatismes aussi. Donc, tu sais, on rit bien, mais c'est les mimes, dans les dernières années, ont eu un rôle vraiment important dans Indian Country. Puis,
Alors, j'ai une citation ici. Everyone is welcome in the Meme Lodge. Parce qu'on parle, souvent les créateurs de contenu font des mimes pour les personnes aux deux esprits aussi, pour les femmes autochtones. Puis il n'y a pas de discrimination. Puis souvent, ce qui est le fun, c'est que quand un créateur de mime fait un mime un peu sexiste ou quelque chose, il y a d'autres femmes autochtones qui vont lui dire « Hey, ce que tu fais, c'est pas correct. » Puis tout le monde va se rallier derrière ça. Donc, il y a une grosse conversation. Puis ces créateurs de contenu-là vont dire « Ouais, c'est vrai, j'ai pas bien agi. » Puis, ce qui est bien aussi, c'est que, bon, avant toute cette montée de la mémétique autochtone-là, nos référents de mimes, c'était souvent, bon, ceux-là auxquels on s'identifiait le plus, c'était des mimes faites par la communauté afro-américaine, tout ça, parce que, bon, on n'avait pas encore accédé à cette plateforme-là. Mais là, maintenant, je suis contente de voir que des pages de mimes autochtones, ils s'en font tout le temps. Puis, je suis vraiment contente que nous, les jeunes autochtones, au moins, on se donne ce droit-là puis ce privilège-là de rire, des fois. Puis là, je vous laisse avec des petites... Celui-là, il est pour toi, Tania. Je vous laisse avec... Bon, j'ai utilisé beaucoup de mimes dans mon PowerPoint, là. Je voulais créditer ces gens-là, Arnell Telfeather, mon ami Karen, puis toutes les autres personnes qui font des mimes quotidiennement pour nous faire rire, pour avoir une expérience, pour vivre une expérience collective qui est un peu plus positive. Miigwetch.